Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue! Bienvenue dans une dose d'action, de violence, de sang, de bruit et de méta. Funcom! C'est la WAA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 A
this so special, I mean to say? This soul came to hell just like a tune comes into your head. Nobody knew why or where from. All they knew, she had a score to settle. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. But hell is hell. And down there, they take away what you love most. Took her voice. For now, what you need to know is she won't go back. Here's the Red Judge, ruler of the hells, the devil, with a capital D. The judge personally saw to the unknown, and just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. No way out. She was trapped. She was down there a long, long time, just getting madder. Would have stayed there forever if I hadn't called. You see, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself don't mean they can't be broken. And just because Judge stole her voice don't mean she'd never sing again. Parfait. Elle voulait chanter l'homme en rouge. N'a rien pour moi. Excusez-moi. Ça veut rien dire. Mais toujours est-il que voilà. Par contre, on sait pas. C'est fantastique de la part des développeurs de Funcom et des développeurs des autres jeux comme je sais pas moi, David Goldfarb ou comment ça s'appelle ? Ah, oublie, non, bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai perdu ma fiche. Mais toujours est-il que c'est fou que les développeurs... On les remercie d'avoir rétabli les vérités. C'est que le diable, c'est une femme. Voilà. Ouais, mais c'est progressiste. Oui, mais c'est le diable. Du coup, c'est woke ou ça l'est pas ? Cesse de réfléchir. Regarde, là, c'est Seigneur des Anneaux. Ah ouais. C'est bien. Excellent. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. It was like a storm coming from far, far away. And I felt it in the air. Oh là 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 là! Où est le test de Prince of Persia 3, hein? Et la suite? De The Witcher 3. Où est Skyrim? Alors voyons voir comment ça se joue. Pour sauter, appuyez sur A. Hop. J'ai le droit à un double saut, je peux sauter de manière non rythmée. Pourquoi pas? Ok, très bien. Je teste, regardons. Oh là 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 là, Eh mais c'est le Tibet! D'accord, l'enfer c'est au Tibet! Tout s'explique! Ça c'est classe! J'essaie d'autres boutons, hein, j'ai rien pour l'instant. J'ai un dash. Marionettes. Hated them. Ok, j'ai raté mes rythmes, mais c'est pas grave. Allons-y! Attaque en rythme, très bien. J'ai pas l'impression de réussir. Ok. Tant pis. Bizarre. Oh well, il doit y avoir un dernier truc que j'ai pas compris.
D'accord, je peux dasher sur les côtés, ok. Excellent, les ennemis qui brillent sont affaiblis. Achevez-les en appuyant sur R sans rythme. Stylé! Achevez l'ennemi pour obtenir des cristaux de santé. Je les ramasse tout seul ou bien? J'espère que je les ramasse tout seul, allons-y. Oh le design! Oh là 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 là! On dirait moi sur mes chiottes en entendant du Z Event! Qu'on prononce The Event, j'y arriverai jamais. Hein. Alors que c'est un jeu de mots. Hein. We didn't need words. We understood each other without them. Guess it sounds like love at first sight, don't it? Ka-ka-ka-ka-ka. The whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. And my voice is her voice. Tu sens le rythme dans la peau, bébé? Ka-ka-ka-ka-ka. J'adore être en rythme sur le beat, beat. Ka-ka-ka, j'adore l'anglais, ka-ka-ka. Ah, passe des tristiques pour maintenir votre furie, même que la panne d'ennemis à proximité. L'ultimateur de furie est en haut de l'écran, ok. Hop là. Furie augmente quand vous effectuez toutes vos actions sur le rythme, avec une action parfaite plus de furie. Multiplicateur de furie, c'est mon niveau 16 où les voix se font entendre. Oh putain, la voix revient! Génial! Dans les lois accessibles du public, c'est tout. Ok, fin du didacte. À partir de là, c'est la violence. Bah, allons-y. Bastards, that's destiny for you. You can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Dance, dance, Armageddon. Let's go. Allez, par contre, le jeu, il est DMCA tier. Hein. It's good to be at the DMCA. It's good to be at the DMCA, yeah. Au revoir l'argent et merci les gens. YouTube vient d'enfiler un gant. DMCA. It's good to be at the DMCA. Allons-y. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair.
quelques sites. Allons-y. Unknown didn't care though. She had her own plan. Ah, elle s'appelle Unknown. Marrant ça. Son nom c'est littéralement inconnu. Cool ça. Ça veut dire que je peux rester là et charger ma barre. Ah non, il y a une limite. D'accord, il faut tuer des gens pour que la barre elle monte. T'es sûr que je veux lancer une team là? Ok, très bien. Ah, c'est mes propres ailes qui me font peur. Je crois qu'il y a des ennemis, mais en fait, je vois mes ailes. Good for health. Où ça, où ça? Cambion starts the murder parade. Nerveux, hein. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps, je trouve. Here's Persephone. I reckon we'll see lots more of her. Oh, ça par contre c'est bon. Il y avait la possibilité de faire un rechargement rapide. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai raté. J'avais X. Hey ! C'est une super idée. Ça. Excusez-moi, je parle pas beaucoup par-dessus. Parce que je souhaite pas non plus vous gâcher la musique et le gameplay qui lui-même est mielleux, mais j'en parlerai après. Pour l'instant, j'apprécie avec vous. Hein. Honnêtement, c'est fun. Je sais pas comment je vais monter ça sur YouTube. Probable que je monte pas. Vous aussi, regardez cette playlist en faisant votre boire. Yeah.
C'est ouf. Ça marche, hein. C'est le super pouvoir, ça. D'accord, il y a à la fois le super pouvoir pour le flingue et le super pouvoir pour l'épée, je viens de comprendre. Mon rythme, c'est pas grave. Ouh. C'est nerveux, hein. Où est-ce que je vois ma barre de vie au fait? Oula! Mais sucks! Voilà! Pas mal! Et voilà. Ouh. J'ai bien fait un dash pour avancer plus vite. Oui, mais pour aller où? Raté. Bébé. Ça te vole. Quelque chose me tire. Je trouve que ce qui manque, c'est un bouton de retournement rapide quand même. Un peu à la... un peu à la Resident Evil. Sinon ça marche, hein. Je suis toujours perdu et... On l'a vu ton pathfinding. On l'a vu ton pathfinding. En même temps, t'es en enfer, frère. Tu t'attends à quoi? À ce qui se passe bien? À ce que t'affrontes une licorne? À que soudainement tu tombes sur une bonne affaire chez Monoprix? Il va se passer une dinguerie, c'est sûr. Si tu me révèles que je suis l'âme de Beyoncé.
y être un accident. D'accord, les rouges c'est explosif. Madame Belial, s'il vous plaît. J'overcome, madame, grâce à Femcom. Souls. Et pour une fois qu'il y a un jeu avec une portée de shotgun qui est réaliste par brave Jean, parce que non, quand tu tires au shotgun, c'est pas censé tuer tout le monde devant toi dans un arc de cercle à 50 degrés. Le shotgun, c'est un fusil. J'oserais même ajouter que c'est un fusil qui est assez précis en vrai. Voilà. C'est pour ça. À part si tu prends de la graille, mais voilà quoi. Mais youhou, victoire. Brave Jean, nous avons réussi la difficulté journaliste. Incroyable. En venant à bout de l'incarnation, vous avez accès à un nouvel enfer. La Stygie. C'est pas dans Conan, ça? Des nouveaux supplices. Meurtre sur le beat, Arsenal Mystère, vol de reliques. Terminé pour gagner des sauts. D'accord. Supplices, j'imagine, ce sont des épreuves pour les niveaux. Perséphone, elle. Fusil à pomper. Si le tir est en rythme, plusieurs ennemis seront touchés à la fois. Perd en efficacité avec la distance. Ah d'accord. J'ai rien dit. Obtenez le bonus Interassable Fury pour ralentir la vitesse à laquelle descend la Fury. Ça s'active quand tu effectues une série rythmique de 6. Intéressant. Temps passé en Fury x16, 96%. 87%, pas mal. Pas mal. J'ai perdu des points avec les dégâts et perdu des points grâce... enfin, avec le temps que j'ai mis. J'ai mis 12 minutes le temps... Le jeu s'attendait sans doute que je finisse ça en 2, si tu veux. Mais je trouve ça honnête. Ça n'est pas le type de munition, Bob. Oui, je sais, Gourmite, mais voilà. On parle pas d'un fusil bête de canard, si tu veux. On parle pas d'un canon à mitraille, frère. Bref. Alors. Wouh, 329. Ça, c'est un vrai chiffre. Il est... c'est un nombre premier. Il me semble que c'est un nombre premier. Ou pas. Je sais pas si c'est un nombre premier, 329. Faudrait demander au père Pucci. Allons-y. Non, c'est pas un nombre premier. Ah merde, tant pis. Stygia, eh ben écoutez, on peut même augmenter le niveau de difficulté pour voir ce que ça donne. Hein. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez jusque-là. Moi, pour l'instant, je trouve ça assez fun. Fais voir s'il y a un menu principal. Alors, rien à en faire, Codex. Qu'est-ce qu'on a débloqué dans le Codex? Jouer en rythme, bien sûr, on a débloqué El Tutorial. Les armes. Terminus, tranche dans le vif des ennemis à courte portée. S'il est en rythme, le troisième coup déclenche une attaque écrasante surpuissante. D'accord. Pou de l'univers. Oh. Maintenez RT pour charger l'attaque spéciale. Ah, tu peux le charger.
D'accord. Ouah, y'a plein d'armes. Une marionnette. Oh là là, regarde ce design. Oh là. Le cambion. Oh là. Le Behemoth. Stylé, hein. Ça met la max, hein. Ça met 1000-0 à Red Shadow Legend. Allons-y. À la bedaine, mon gars, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux en mode histoire pour l'instant. Avec des supplices, tu peux refaire les niveaux, bien sûr. Meurtre sur le beat, qu'est-ce que ça fait? Découper ou déclarer sur les démons tout en respectant le rythme. C'est Archidémon qui décide quelles armes vous avez. D'accord. Rick en or, vous confère comme vraiment le pouvoir de Alphas. Ah! Terminer supplice pour débloquer balle fantôme. Ailleurs, vos munitions chaque fois que vous changez d'arme. Conserve vos séries rythmiques. Terminer supplice, vous êtes le gardien du rythme. Oh! Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Mais du coup, voilà. Tu fais les enfers et tu refais les niveaux pour débloquer des pouvoirs. Et ça, par contre, je trouve ça assez dingue. Ça, ça marche, ça. Ça, c'est cool. Et du coup, si je le fais en normal, c'est la même chose, j'ai l'impression. Voilà, c'est la même chose. Didacticiel, ok, ça compte pas. Stygie, waouh, les buildings à l'envers, ça a l'air métal de ouf. Venez à bout du boss de Stygia, et bah très bien. Le jeu qui récompense le skill, pourquoi pas? Allons-y, allons-y. De toute façon, 2 heures d'OPSP, allons-y. Bloodshot qui a 14 millions de points. Oh là là là, les journalistes, ils sont énervés quand même. Ah. Toujours sélectionné. Principal. Oh là 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 là. Schwing. Kaka kaka kaka. Être ou ne pas être, il faut jouer à Skyrim, Lennon. Schwing. Oh. Ça me rappelle Shadow the Hedgehog, vous savez, le jeu qu'il y avait sur PS2. où t'as Shadow qui fait ça, mais sur un SMG si tu veux. Ce qui fait aucun sens. Voilà, ça m'a toujours fait rire ça. Du coup, alors, prenez une arme et allez en enfer. Ah, et prenez des sauts. Ah, on peut pas en avoir plusieurs en même temps. Alors peut-être qu'on peut en avoir plusieurs en même temps. On essaiera, on essaiera, on essaiera. Allons-y. I told you she'd sing again. Killing that bit of the judge gave her some of her voice back. Gave us both a chance to get back what we'd lost. Rip it from the judge, a piece at a time. Judge didn't much care for that, though. So she called up the strongest devils to her throne. One after another they came, to form a council of war, they called it. Now whether the council believed in us, in the threat we posed, I mean, truth is, not yet. We were still nobodies in Hell's eyes. Bottom line was, they were dealing with something angry. Something that was coming for them. And something they did not know how to stop. Before anything, the judge wanted answers. You see, some poor devil once told the judge that he destroyed this old skull, ground him into dust. And just so we're being clear, that old skull is me. Malachi, Malachi, you swore the skull had been destroyed. Hell 101, lie, but don't lie to the judge. You gotta be done for that. Then again, this joker here, well, let's just say somewhere a village was missing their idiot. Zap! This damned soul, the unknown, shall be your only war. My aspects will guard the other hands. She must never be allowed to reach the throne here in Shul. Never. Tell me if you hear me! C'est fou ça. Je tiens à dire qu'il y a un petit air de Will Rock. C'est un vieux jeu Quake-like des années
2000 peut-être, peut-être un peu plus tôt, je ne sais pas. Mais voilà, Will Rock, vous ferez la recherche vous-même. Et c'est très grosse musique, grosse voix avec un accent texan. Voilà. Et oui, effectivement, la voix qu'on entend, brave Jean. Alors, je le dis, c'est censé être un talking point. Sauf que moi, je suis là. Oui, je suis censé dire que dedans, il y a Troy Baker. Vous pouvez entendre Troy Baker faire des voix dans Tales of et absolument tous les doublages américains sans aucune exception, puisque dans le niveau, dans le milieu du doublage américain du jeu vidéo et notamment des JRPG ou des traductions comme Xenoblade ou les choses comme ça, il n'y a environ que 6 acteurs. Hein, voilà, en tout et pour tout. 6 acteurs, dont 2 femmes et 1 noir, pour couvrir l'entièreté du spectre. De tous les doublages américains, à peu près. Voilà, c'est, je veux pas parler mal. Et donc, Troy Baker, c'est un petit peu Mickey Mouse. Voilà, il est partout. Il est chez toi, il est à ta télé, il est dans tes livres, il coûte beaucoup trop cher. Mais c'est Troy Baker. Il est là et... Bonjour, je suis Troy Baker. Mais sans doute déjà entendu parler partout. Voilà, partout. C'est gratuit. C'est censé être un talking point, hein, je le dis. Moi, je dis les termes, mais Metal Hellsinger. Voilà. S'il y a des gens de Metal Hellsinger, là, des gens de l'équipe de dev, de l'équipe marketing, qui regardent cet OPSP, qui regardent cet épisode, ce qui est improbable parce que ça fait déjà, quoi, 30 minutes qu'on est lancé. Donc, c'est normalement, ils sont partis, tu vois, ils sont partis, on peut dire les vrais termes. Brave Jean. Ça n'est pas un point marketing valable. Quand tu vends des jeux vidéo, les points marketing valables sont le jeu est beau, le jeu est fun, le jeu est marrant, le jeu a de la replay value et le jeu a des BO et des musiques qui déchirent. Voilà, ça c'est un... voilà. Inspirez-vous de la variété française. Quand la musique est bonne, bonne. Voilà. Quand le gameplay sonne, sonne. Quand la manette déconne, conne. Et que je ne triche pas, Voilà, bref, j'ai plus de voix. Mais c'est voilà. Ça, c'est le marketing. Ça, c'est vrai. Et pour l'instant, de toute façon, on a déjà été DMC à l'infini. Tu triches, Bob. Ouais. Et pour l'instant, tout ce que j'ai à vous dire, brave Jean, c'est que le tutoriel et le premier niveau étaient fun. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est très difficile pour moi, je m'en rends compte parce qu'il y a eu la vidéo sur Soundfall aussi, c'est très difficile pour moi de commenter des jeux de rythme. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la partie de mon cerveau qui permet de faire des choses en rythme et qui permet de... On me dit qu'il n'y a pas de DMCA sur ce jeu, Bob. Bah, fantastique, je viens d'en mettre en chantant du coup. Je pense que les jeux de rythme, pour une raison qui m'obscure, les jeux de rythme doivent emprunter le même coin de cerveau que j'utilise pour faire du commentary ou dire des conneries pendant que je fais du gameplay. Voilà. Je n'ai pas la Marcusite. I remember this place like it was yesterday. Wish I didn't. Now where's my trucker hat? Tellement satisfaisant ça par contre. D'accord, donc Y. D'accord, donc ça c'est les petites armes de base et Y. J'ai essayé de comprendre le gameplay au passage. Voilà. Et ça ? Charger le crâne. Par contre, est-ce qu'on peut en profiter pour regarder les décors un petit instant? Oh là 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 là. Eh ben, le remake de Sonic 2006, il déconne zéro, hein. Plus qu'à trouver Iblis. Allez, let's go with Sonic Speed. Merci.
c'est parce que je suis en normal. Pourquoi il bouge plus? Ok. Chargement, je rate tout, hein. Depuis que je suis plus en mode facile, c'est finito, hein. C'est finito le talent.
Panique. Panique, il faut pas. Fallait pas paniquer. J'ai paniqué un moment. On m'a vu paniquer. J'essaie de maintenir mon x16 parce qu'en fait, si je me concentre pour maintenir le x16, ça augmente la qualité intrinsèque de votre vidéo puisque vous avez de la meilleure musique. Il y avait un x16 là. Je déteste ma vie, hein. J'ai encore du mal à switcher entre les armes diverses. Ça snipe. Ça snipe. L'arbre qui clutch. Petit clutch de la part de l'arbre, on le remercie. L'arbre qui est un bro, même en enfer, la nature te préserve. Celle-là. Heureusement que le jeu est généreux au niveau de la visée. C'est bon, il visait là où j'allais me trouver, pas là où je suis. C'est contre-intuitif aux règles de Doom, ça! Je cherchais des cristaux sur les murs, je les ai jamais trouvés. Mon score! La WAG! Et bien sûr! Just wait for us. Just long.
À la seconde où, bien sûr, je retrouve mon footing, je les nucléarise. Ah, il y en avait un là. Je suis deg. Si j'avais mieux vu. J'ai l'air d'appuyer un peu plus tôt, cependant. J'aimerais voir s'il y a... Latence du son, latence de l'image. Si je mets 0. Ah, je tape toujours un peu trop tôt. C'est mieux. Tu dis jamais les pistolets, c'est vrai. C'est parce que j'ai pas encore compris comment on change d'arme de manière fluide et efficace. Je me trompe dans les boutons et c'est un défaut. Elle est où ? C'est B. Castellanos! J'étais en l'air, j'ai mal joué les esquives. C'est grave. On a encore un continu. Wouh. Ah, et juste avant la fin, je suis dégoûté. Hein. C'est honteux, ça y est. Le Lennon a plus de 35 ans. C'est terminé maintenant. C'est terminé. On rejoint les journalistes. Bon.
Après, j'imagine que... Oh, les dogs. Infligé précis, même à distance. Perdre en efficacité à très longue portée, d'accord. Bonus de gain ultime amélioré, fait augmenter plus rapidement votre attaque ultime. Vous avez une rating de 14, d'accord. Ah ouais, félicitations, vous êtes vieux, hein. Ouais, ouais. 56% de temps passé en furie, hein, c'est honteux. Hein. Chez Hatsune Miku, ça passe pas, ça. Ça passe 0%. 7 millions. Bon, bah, j'ai fait... J'ai la moyenne. Le champion du monde a fait 14 millions sur cette map. J'en ai fait 7. J'ai 10 sur 20. J'ai le bac. Je m'en bats les couilles. Très bien. Les nonnes qui finissaient le stream, et voilà. Mais voilà. Mais cependant, je souhaite encore une fois remercier Metal Hensinger d'avoir pensé à moi pour cette OPSP. Merci pour l'argent. Et merci infiniment Funcom pour permettre de jouer à ce jeu qui est vraiment bien foutu. Il est fun. Enfin, moi, je m'éclate. C'est difficile à commenter. Y a pas grand-chose à en dire dans le sens où t'entends la musique, tu te bats, c'est au rythme, quoi. Mais c'est nerveux, ça demande de gérer un million de trucs. Par contre... Le seul reproche que j'ai, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore compris de manière intuitive comment changer d'arme. C'est-à-dire qu'en fait, autant Y et B, enfin triangle et rond, sont les touches qui permettent de s'équiper de fusil à pompe et des pistolets, il n'y a pas de problème. Mais, caresse pour recharger et croise pour sauter, bien sûr. Mais, il y a les bumpers et les gâchettes. Et les bumpers, il y en a un pour l'esquive et un autre, en fait, pour les armes secondaires. Et les armes secondaires, c'est à la fois le crâne et l'épée. J'imagine qu'il y en aura d'autres plus tard. Donc du coup, je plisse les yeux. Alors on me dit, au clavier et souris, c'est à la roulette, c'est intuitif. Absolument, absolument, absolument. C'est sûrement mieux à la souris. Ouais, sans doute, sans doute. Quoique, vous avez remarqué quand même que le aimbot est assez généreux sur ce jeu. J'ai l'impression qu'il est moins généreux en difficulté moyenne. Donc je pense qu'en difficulté maximale, il est pinpoint, c'est-à-dire il est central. C'est-à-dire qu'il ne t'aide pas du tout à la visée. Mais je trouve ça qualitatif de fou. Voilà. Je trouve ça qualitatif de fou. Donc du coup, voilà. Continuons. Est-ce qu'on continue l'histoire ou est-ce qu'on me permet d'essayer de refaire un niveau maintenant que j'ai la connaissance pour essayer de choper un sigle? Parce que voilà, c'est pas que... Qu'est-ce que je gagne là? Empêche la furie de retomber sous un certain multiplicateur, c'est intéressant. Plus de dégâts quand votre santé est faible, c'est intéressant. Il faut que je fasse vol de relique 1. Et vol de relique 1, qu'est-ce que ça fait? Accélère l'obtention de bonus de série rythmique, d'accord. Conserve vos séries rythmiques, ça je trouve ça bien. Allez, on se le permet. Before we go on, let me tell you about sigils. You see, back in the day, there were seven archdevils that served the judge, the seven sovereigns. They did this silly little thing called a coup. Best to not dwell on it, but as punishment, they got chopped up and cast across the hells. Thing is, they only got mostly killed, you see, because the hate the dead seven held for the judge lived on. In the sigils hidden in the realms of torment. Whoever managed to best these torments and gain those sigils, why, they'd be walking away scot-free with infernal power. For most folk, that's just a temptation too great to pass up. Like I was saying, this tormented realm was formed by the death of Omducius, a fairly whimsical archdevil. As archdevils go, I suppose. Fella tried to march to his own drum, which is not really a winning strategy in hell. But what do you know? It worked for him. Whoever wanted to get past him, why, they'd need to overpower his music. And as you might have guessed, most souls just can't. Ok, je pouvais appuyer sur B quand je voulais, mais le fait qu'il y ait de l'histoire en plus, quand tu fais les missions bonus, je trouve ça que c'est une excellente idée. Les jeux devraient pas s'abriter derrière... comment ça s'appelle? Les jeux... Tu es 40 démons en rythme. J'ai 10 secondes. Ah, plus 4, 3, 3 secondes par ennemi, tu es en rythme. Damn. Eh ben écoute, allons-y. Donc c'est une mission courte. D'accord, je pensais refaire toute la mission, mais ok.
bouffe exprès. Mais il faut mourir! Hey, raté. Not bad. You're getting there. Je me suis chié dessus, tant pis. Allez, 10 meurtres en rythme seulement. Damn, c'est dur! Allons-y. Chaud en vrai, ouais, absolument. Je pense que le mieux, c'est de faire ça. C'est de faire ça au sabre. Ah, je l'ai pas! À un moment, j'ai complètement perdu le rythme. J'y étais pas. Par contre, belle utilisation de ma super sur le troll qui est apparu. Blouh, il a rien compris. Il s'est pris une petite faciale de maïs chargée au gros grain. Spécial K protéines. Des pétoles de maïs chargés au sucre, mon gars. Phew. Bon, gardien du rythme. Pour être touché ou agir en dehors du rythme, une fois avant de perdre la série rythmique. Si votre série rythmique est réinitialisée, le nombre de secondes chance l'est aussi. Yay! Excellent! Ça, c'est super, ça, pour les débiles comme moi. Et combien, du coup, je peux m'équiper de sauts? Ça, c'est ma vraie question, ça, que j'ai. Déjà, je rebaisse la difficulté pour mon confort personnel. Je vous aime, mais telle est ma vie. J'ai pas envie de me stresser. Gardien du rythme. J'ai les sauts quoi que je fasse. Ah! C'est intéressant. Les balles fantômes. La meilleure munition à chaque fois que vous changez d'arme. Au revoir. So this realm was created by the death of Marbus, the most capricious, change-minded, flaky, and unpleasant, unstable member of the Dead Seven Archdevils. Folks here play by his rules and might find themselves stumped by his old switcheroo. That is to say, the devil forces changes on a soul. And you best not resist, but go with it. Ok, très bien. Plus de secondes par ennemi tué, j'ai 15 secondes, tué 30 démons. Vous ne pouvez pas choisir votre arme, elle change à chaque fois qu'un démon meurt. Ok. Ruin.
W looks like. Ça s'est fait relativement facilement celui-là, parce qu'en fait il ne fait changer que de deux armes. J'imagine que les niveaux difficiles de ce défi te font combattre des démons plus compliqués, et surtout genre t'as 15 armes qui changent constamment, et c'est un merdier. Je suis content d'avoir manipulé la RNG pour lorsque je me suis battu contre le troll, j'avais le fusil à pompe et pas le katana. Mais après j'ai tiré un coup de fusil à pompe dans le troll, j'ai touché un petit monstre derrière, je suis passé au katana, j'étais là. les deux premières attaques après avoir changé d'arme n'utilisent pas de munitions. C'est OP! Ça fait 10 balles pour le fusil à pompe. Viens voir. This realm here was built by the expiration of Halfus. This guy, see, he didn't start out as an archdevil, no, more like an infernal cockroach, if I'm being charitable. But he was smart, and above all, greedy. This fella collected powerful relics, and with those, he rose up to power. Now, you make some smart choices in his realm, for he will not let his power go easily. Sagacité, let's go. Alors, on a le katana et Perséphone, et on aura le nouveau saut Accelerando. Ramassez les reliques pour accroître temporairement vos dégâts, vos attaques ultimes et vos munitions. Plein de secondes par ennemi tué, 7 secondes à ennemi tué, niveau tuerie x8. D'accord. Ok, bon. C'est fait. Tout va bien. Ok, nous avons passé l'enfer du walk. On va avoir vol de relique 2.
accélère l'obtention de bonus de série rythmique aux portes de la mort. J'ai même pas vu ce que faisait ma relique. Bon, c'est pas grave. Chasse au géant, fait voir. La furie doit tomber sur un certain indicateur. Plus de dégâts qu'en votre santé. Fiat. Obtention de bonus de série rythmique. Allez, allez, allez. Allez, on se fait souffrir. On se fait souffrir. On se fait souffrir. 50 démons. Et il va y avoir des démons fantômes aussi, ça est chiant. Allons-y. Un instant de panique sur la fin, puis j'ai pris l'icône magique, puis j'ai pris le katana, puis j'étais en mode Yuji no Ken no Kure et des gens sont morts. Donc, nous disions. Ah, j'ai plus à boire, non, au secours. Mais j'ai bloqué Relique 2. Aux portes de la mort, qu'est-ce que ça me fait? Plus de dégâts quand vous sentez ces fiacs, et ce show empêche la furie de descendre. Non, mais let's go. Allons en E-Helm. C'est métal ou pas? Alors les classements? Y'a pas de classement pour les trucs, les scores comme ça. Oh, je suis 954ème! I am fiac! Ah non, parce que je suis en facile, d'accord. Et si je me mets en middle? Oh, je suis 8000ème! I am fiac! Si vous demandez au vieux crâne que je suis, quel est le pire enfer, je vous répondrai. Alors, si vous demandez au vieux crâne quel est le pire enfer, je vous répondrai Ilen. Les âmes qui y sont piégées sont totalement isolées les unes des autres. Plutôt dur pour les extravertis comme moi. Ha! Tout le monde en confinement. Arme principale. J'imagine que arme principale est celle qui s'équipe en Y.
Et en B se trouve l'âme secondaire. Voyons voir, voyons voir. Gardien du rite. Ah, je peux les choisir. Ah, je peux en choisir deux. D'accord, tout s'explique. Donc, soit... vous pouvez toucher une fois pour... Hein, les bonus aériens sont obtenus plus rapidement encore. D'accord. Je dirais pas de munitions utilisées lorsqu'on change d'arme, parce que c'est quand même assez OP, il faut le dire. Et, les bonus rythmiques sont obtenus plus tôt. Voilà. C'est... Parfois, je fais des longues séries rythmiques, je trouve. Et c'est vrai que je me fais toucher. Ouais, le petit saut de protection. Le petit saut de protection. Non, mais... Bébé, merci. On va mettre le petit saut de protection, par acquis de conscience. Oh là 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 là, c'est flingue, quel plaisir. Oh, The Edge. On rajoutera un petit peu de Shadow the Hedgehog avec les pansements sur les avant-bras. Hein. Ka-ka-ka-ka-ka-ka. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es allé au Macumba Night, hein? Fistiland? Ka-ka-ka-ka-ka. Moi, j'ai jamais eu ce problème. J'étais gaucher. Excellent. Donc, du coup, merci infiniment. En tout cas, Metal Hellsinger, le jeu est disponible sur PC ainsi que sur les consoles. Toutes les consoles de l'amour, de l'amour. Les consoles qui comptent, les consoles qui ont du DPS. Et donc l'Amiga, bien évidemment. Vous pouvez trouver des tas d'artistes de métaux. C'est un jeu de tir en rythme, comme vous avez pu le constater si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo. Vous vous rendez compte que c'est un endroit terrible dans lequel le Lennon pousse à la consommation. Et vous pouvez... cliquer dans le lien dans la description pour obtenir le jeu, qui est déjà sorti, ainsi qu'un lien spécial qui vous amène sur un site où se trouvent des vêtements comme des pagnes. Avec un code de réduction qui vous permet d'obtenir moins 20%. Et ça, c'est toujours qualitatif. Et d'ailleurs, ce code de réduction, je ne sais pas si je suis censé le mettre que sur Twitch ou si je dois le mettre sur YouTube. Donc, si vous regardez, enfin, si les gens responsables de cette OPSP la regardent sur YouTube, pardon, je vous ai ruiné à coup de moins 20% sur tous vos vêtements. Voilà, ça vous apprendra. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Pourquoi 20%? Parce que le Lennon ne vaut qu'un cinquième de vote. Allons-y. Well, it went the way the judge didn't want it to go. Stygia fell. The unknown got back more of her voice, and I. Well, I got back a bit more of what I'd lost. Un tibia. Power, yeah. But memory, too. It was just a flash of something from a long, long time ago. Like I said, hell steals your memory. No one remembers what they were down here. Or if they do, just enough to make them suffer. It was all coming back to me. C'était quelle tusade. Judge sent every scholar in the hell to see what they could learn about the unknown. Yon's army's ready. Good. We shall prepare the ritual of spears. Even if the prophet sang of her, we shall prove the prophecy false. Tu crois que le soir, elle prend Skeletor sur WhatsApp et ils se font du sale? Genre, ils ont une relation à distance? Genre Skeletor, il est là, regarde mes muscles. Et elle est là, regarde mes hanches, regarde ma structure osseuse. Voilà. Ah, et sur Skype, oui, sur Skype, c'est des démons, excusez-moi, c'est des démons, donc c'est du Skype. Yeah, demons were waiting on us in Yelm, our next port of call, but at least at the start. Dead quiet. Oh, la musique sonne bien. Oh, quand la musique est folle! Well, the smart money is probably not on us. But who don't love an underdog? Ka-ka-ka-ka-ka! Ouh!
first of Yelm's Death Garden, as I recall. J'aime le katana. En plus, il est efficace. Quel régal! T'es sûr, c'est Montmartre? Oh, on voit des cristaux de là! Ah non, il y a une limite. Eyeless wobbles out, puking acid, or worse. Oh non, des choses qui volent! Perdu au secours. Ah.
only statues left standing in the cathedral. Ok. Victoire! J'étais concentré. Il y a même du church. Not because I'm not allowed, just because, well, I'm a skull. La pyrotechnique dans les égouts. Ok, c'est too much. C'est une fabrique d'escaliers. Second Death Garden, and hopefully other folk are gonna be doing the dive. Allez, battez-vous! No, 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 no
vous êtes où là? What? Ils sont où? Sérieusement, ils sont où? Finally, Unknown was glad to be out of the woods. I'd be lying if I said I didn't want answers too, after that flash I saw. I was just hoping I'd get them before the Unknown shanked all of hell in the process. C'est beau. Je m'arrête pour regarder le décor. Ouh! Pour le château de Dracula, mon gars! What you must! You cannot define me! The chaos calling to the winter of the
Où ils sont? Où ils sont? On lui a tiré des poutres au visage. Poutre la loutre. Putain. Et parce qu'on va être beaucoup plus gérable que le second. Après, j'étais en mode facile, vous me direz oui. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de layout, comme t'as pas peur de tomber constamment, comme t'as pas à regarder autour de toi continuellement, comme bien sûr, quand j'ai commencé à voir l'armure, j'étais là, ah, je vais peut-être pouvoir la voir au sable, ça pourrait être cool et tout. Et puis j'ai vu qu'elle commence à faire l'armure de mur et je fais d'accord. D'accord, utilisons l'arme que nous avons trouvée plutôt dans le donjon. Allons-y, allons-y, le gameplay, le gameplay. Je suis moi-même coupable de ça. Même dans mon livre, je fais ça, alors. Et maintenant, on peut aller en Incostis. Oh là 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 là, vous avez accès à un nouvel enfer. Quel enfer. L'enfer de l'OPSP, ultime maîtrise. Meurtre sur la bite et arsenal mystère. Voyons voir. Vulcain. Tire un chaos. Attends, où est-ce qu'elle va la flèche? Par où la flèche elle sort? Ah, il y a deux tirs. Il y a deux tirs, donc c'est une double arbalète. L'arbalète gauche et l'arbalète droite. C'est comme un fusil à canon scié, d'accord. Avec deux tuyaux. D'accord, d'accord, tout s'explique. Tout s'explique. Avec un bon timing, l'arme défile les gouttes roulantes de la physique et annule temporairement la gravité. Ah. D'accord. Autre. Voilà. Voilà. Là, on parle. Ah non. Ah non. Ah, mon Scar, non. 136e. Ah, putain, c'est bon, ça. Allons-y. Ouh. Alors, voyons voir. Ultime maîtrise. Enchaînez les démons pour débloquer vos attaques ultimes et terminer supplice. Charge automatiquement l'attaque ultime de l'arme à chaque temps. Oh, c'est fort ça. C'est fort, c'est fort. This place was formed by the passing of Flyros, the angriest of the dead seven archdevils. Yeah, there's a lot of angry souls in hell, but this particular topped the list. He kept those fires of rage stoked with the souls of those less angry, I guess. So entering his realm, you really only had one choice. Get madder than Flyros. Avant la fin de l'OP, on aura un world record. J'ai fait ça sur Holy Holy World. J'ai mis la misère à tout le monde. Avec un score à je sais plus combien de milliards de points, mais j'avais mis 1000-0. Ça a été enregistré. Depuis, j'ai été battu sans aucun doute. Mais c'est comme les maisons Minecraft. Hein. Je vous ai tous appris les maisons Minecraft.
Et après, forcément, il y a des mecs qui sont là, ouais, Bob et Fanta, ils savent pas faire les maisons Minecraft, ils puent la merde, c'est des mauvais architectes, ils sont dégueulasses. Oui, mais la base, mon gars, la base. Tes grands-parents, ils avaient pas compris le féminisme, si tu veux, mais c'était le début, tu vois, foufou. La base. On commence, on est pionniers, on ouvre. Les découvreurs, le premier connard qui invente la poudre, tu sais, c'est... Voilà. Donc si toi, t'as une Gatling, c'est sûr que forcément, mais... Ok. Allons-y. Que fusil à pompe, katana. Il faut que je tue. Ah merde, d'accord, il faut que je charge et que je tue avec les ultimes. Pardon, excusez-moi, pardon, j'ai mal vu. J'ai pas lu les conditions. Non, mais je suis débile, pardon. Pouf. Donc en vrai, plutôt que de faire l'ultime avec Perséphone qui fait un tir mais qui transperce tout le monde, il faut absolument le faire. Voilà, très bien, ok. Ça s'est fait tout seul, très bien. Ça s'est fait tout seul comme un grand, c'est super. J'ai pas testé l'ultime avec le crâne, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas testé l'ultime avec le crâne. Je sais pas si le crâne a un ultime. Donc l'ultime des arcs monte automatiquement de 0,5 à chaque battement. C'est-à-dire qu'il faut 200 battements avant que t'aies un ultra gratuit. Question, 200 battements, ça fait combien dans une musique hein? En vrai, c'est toutes les minutes, en vrai. Hein. Enfin, toutes les 2 minutes. Une musique, c'est quoi? C'est 120 battements par seconde? Ça dépend le nombre de battements de BPM. Ouais, je suis d'accord. Ça dépend le nombre de BPM. Mais honnêtement, ça peut être intéressant. L'autre sur le beat. Conserve aux séries rythmiques, c'est fort. Arsenal mystère, améliore vos issues à chaque fois que vous changez d'arme. Ça, c'est fort aussi. Meurtre sur le beat, conserve vos séries rythmiques, ça, c'est garanti. Eh ben allez, vas-y, on s'offre ça, on fait un dernier niveau et on en termine avec cet OPSP incroyable de Metal Hellsinger. Entre ça et Soundfall, je ne peux que vous conseiller ce genre de jeu. Celui-ci a l'air, il a l'air de pas overstay son welcome, c'est-à-dire il a l'air de pas rester trop longtemps. Il coûte 30 balles, tu le prends, t'y joues, t'as quelques niveaux, bah, tu t'éclates, t'en sors, tu le poses, ah, t'attends les DLC, tu vois. Je trouve que c'est miel. En vrai, c'est miel. En vrai, je trouve c'est miel. Les coups en rythme infligent plus de dégâts. Allons-y. Terminus, les dogs et Paz. Ah, d'accord. J'ai le crâne et j'ai le katana. Ok, note à soi-même. Je
all struggle sometimes. Oh, damn. She just gotta get back up. Damn. Ok, pouf. Le jeu est gratuit sur le Game Pass en plus, j'avoue. Oh, damn, j'ai pas... Le beau bouclier. Beau bouclier qui m'a bien ralenti du cul. En même temps, j'ai bien perdu du temps au début, hein. Un peu débile de ma part. J'ai gardé mon ultra exprès pour les gros ou les fantômes. Et boum, c'est bouclé. Il était facile celle-ci, il était plutôt simple. À partir du moment où t'as accès au katana, c'est vraiment une des meilleures armes du jeu. Je trouve ça très sexy perso. Surtout que voilà. C'est un merveilleux commentaire du métal. Bah oui, mais nique-toi aussi. Nique-toi. Alors comment tu t'en sors? Elle marche comment ta chaîne YouTube? Excusez-moi. Le streamer qui s'énerve. Mais bien évidemment, achète Metal Hellsinger et montre-moi tes résultats et tes scores quand tu auras passé une semaine de chômage sur le jeu et à quel point tes scores sont meilleurs que les miens, bien évidemment. C'est gratuit. Concert en série rythmique, Arsenal Mystère. La meilleure munition à chaque fois que je change d'arme. Maintenant, on va prendre Ultime Maîtrise et l'autre et allons à Incostis. Incostis. Allons-y. 14 milliards, encore une fois. En hard, 18 milliards. 14 milliards, très bien. C'est fort. Principal, je peux choisir fusil à pompe ou flingue, parce que les pistoleros, c'est sexy aussi. Très sexy. Voyons voir. Balle fantôme, on l'annule. Accélérando, ça améliore les bonus, mais voyons voir. Toujours sélectionné. Oh là 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 là. En plus, je veux pas dire, mais inconnue, elle a un rechargement du plaisir. Ça tourne. Ouh, ça pompe. Oui, mesdemoiselles. C'est exactement la même sensation que d'avoir un pénis. Voilà. C'est ça. Ça, non. Ça, par contre, non. Ou alors, c'est qu'il se passe des choses étranges. Allons-y. Du coup, allons en enfer. So the Hells took another hit from us. Bloodied their noses, we did, but Judge wasn't ready to take us seriously yet. Which I guess is fair enough if... You are the ruler of the infernal and unaccustomed to taking the big L. Nah, she was planning to hit back. Petit sacrifice. Now the ritual of spears was supposed to bind a spirit in perpetuity. At least that's what they was hoping for.
T'as raté la formule. T'étais pas en rythme. Yep, let me tell you, that was not the finale Hell was hoping for. And after that, prophecy or no prophecy, we had the judge's full attention. Bonjour, c'est une OPA hostile. Rien qu'un morceau de voix. Ritual of Spears didn't work, so it was back to the old drawing board for the judge. Si c'est marrant, c'est que tu tombes sur Raziel, qui serait là. Que dis-je, dame, que vous marchez sur ces terres désolées, à la recherche d'un destin qui est déjà écrit pour vous et qui n'est plus vôtre. Oui, bonjour aussi, Raziel. J'espère que ça se passe bien. Allons-y. On va tenter l'ultra avec le crâne, hein, parce qu'on l'a toujours pas vu. Hein. Regardez, ouh, regardez l'ultra en bas qui monte. Ouh. Had succeeded. Sexy. Voilà, fois 16. Les peaux comptent comme un ennemi et ça c'est cool. Ah d'accord, c'est pas un combat, ok. Oh les Aztèques, c'est Satan, je le savais. Gros commentaire politique de la part du jeu, gros crâne. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. On l'avait déjà vu, ça fait un... ça avait la foutre, ça touche tout le monde. Qui manque? Bonjour. Qui manque? Messieurs, dames? Jamais su ce qu'il faisait. Oh, let's go, bébé! C'est des boomerangs! Il tourne!
plus tu rythme, tu réussis ton rythme et plus ça en fait tourner autour de toi, ok. C'est des armes en trois temps. C'est pas mal. Un émerveillement de souffrance un peu plus développé que ça. Que juste du feu et du feu, de la lave et des rochers un peu menaçants, tu vois. J'ai toujours cru que Satan serait un peu plus créatif que ça. Oh ouais. Après ça marche, hein. Ouh. Zap. Où we'll be right back.
ça envoie. Oups. Ah putain, je l'ai payé. Bouf. Losing what we love thing. Ce que t'aimais, c'est Johnny Hallyday. Oh, les rechargements. Oh, sexy. Joli. Ah, d'accord, je pensais. En tout cas, très stylé. Sure, you can guess who was at the top of that pyramid. Ho! Mukatte kuru no ka? Laissez-moi deviner, ça a demandé les boomerangs. Quelle surprise! Réparer.
ça va, non ? Bon, on a bourré le DPS. Oh shit! Ok, tout va bien. Enfer, la GN. Ça commence à devenir énervé, les enfers. On tape dans des enfers qui commencent à devenir sérieux. Même Isaac, il n'est pas tombé aussi profondément. Eh ben, j'étais concentré. Désolé, hein, encore une fois, un épisode musical où Lennon ne parle pas. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Pour moi, c'est tellement bizarre. Mais pour vous, ça doit être tellement reposant, en vrai. Ça doit être un plaisir, hein. Est-ce qu'il va y avoir le tartare? Bah c'est sûr, on va s'y tailler un steak, ça va être la violence, hein, évidemment. Évidemment. Les blagues de Daron sont non seulement autorisées en enfer, mais en plus obligatoires, hein, évidemment. Et du coup, voilà. Corbeau du Styx. Les Artaques traversent les démons et infligent dégâts à tout ce qui se trouve sur la trajectoire. Contrairement aux autres armes de tir, vous n'avez pas à le charger. Oui, bien sûr. Bonus dash plumentaire augmente les dégâts qu'infligent vos dashs. Oh, ça s'applique quand vous avez une série rythmique de 22. Oh. Temps passé en furie, 90%. Wouah! Un score somme toute honorable. Pas le meilleur, bien sûr, mais honorable. Respectons-nous. 142e! Bon. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh! Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que c'est la totalité de ce que je peux présenter sur Metal Hellsinger. Regarde, si on regarde juste la moitié, on a fait la moitié avec toutes les soumissions, les soumissions, bien sûr, pas les soumissions, les soumissions de la soumission, let's go. Et encore des enfers derrière, ad infinitum avec des musiques absolument fantastiques, hein. C'est fun, c'est rythmé, ça coûte pas cher, c'est disponible sur Game Pass, sur Xbox, c'est disponible sur PSX, PS4, PS5, bien sûr, à l'infini. C'est disponible sur les Xbox à l'infini, c'est disponible sur votre frigo, c'est disponible sur votre PC, et vous avez 20% de réduc sur des vêtements en utilisant le code qui se trouve dans la description de cette vidéo, ainsi que sur le jeu. Alors, vous n'avez pas 20% sur le jeu, mais le jeu coûte déjà que 30 balles, donc ça va. Soyons sincères, c'est plus qu'honnête. Voyons voir. Ah voilà, Cerber et Orthros. Oh, la référence s'est fait plaisir. Ok. Le bourreau des âmes. Oh, oh, oh. Traître et tyran. Oh. Allez, on a toutes les armes. On a toutes les armes. Bah voilà. Vous avez vous-même vu votre gameplay. Vous pouvez choisir ce qui vous fait le plus plaisir. Il y a encore des sauts et des supplices à débloquer. Ok. Et combo triple dash. Ah, les combos vous donnent automatiquement des points de furie. D'accord. D'accord, d'accord. Dash, dash, dash. Achevé, achevé. Boucherie profane. Faire une recharge rapide, tuer un ennemi. Sacrifice et meurtre. Pentagramme. Détruire un objet et détruire un objet. Oh là là, ce décor! Oh là 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 là! Ça met la max, hein. Ce
décor aussi, il est fou. C'est là que se situe le niveau administratif des enfers avec les formulaires B78A et tout le reste. Oh là là, le château à Dracula. Oh là 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 là, l'enfer des Aztèques. Et on n'a pas vu le reste, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est quand même assez qualitatif, hein. Je veux pas parler mal, mais... Oh là là, ça met la masse. Plutôt mignon pour un démon, ouais. Oh. Oh là 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 là. Stylé! Oh, c'est stylé! Oh, quelle saloperie sans nom! Oh là là! Poder! Et ils sont tous animés, je trouve ça vraiment fantastique. Hein. Oh, le cambion avec le bouclier, classe! Bémote de siège, mon gars! Les cornes de caribou! Incarnation de la colère. Incarnation d'énergie. Ah, ils ont pas les mêmes têtes! Ah. J'apprécie le genre de petits détails là avec les bois pour le Willem. Là, avec les barreaux renforcés dans le béton, tu vois. C'est-à-dire que c'est un enfer, somme toute, qui est assez récent en fait. Oh là 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 là, un os de vampire. Les démons du BTP. J'avoue, hein. Le jeu t'offre la possibilité, pardon, d'écouter les musiques. C'est bon ça ou pas? C'est honnête. Il y a les cinématiques, ça c'est cool. Les histoires, si vous faites les missions secondaires, ok. Le générique, j'imagine c'est les crédits. Je regarde, hein, je me fais plaisir. C'est la max. C'est très très bien. C'est très très bien. Alors, c'est un peu pour voir. C'est stylé. C'est laquelle la musique où Alissa elle a bossé? Fais voir. Attends. Tout Fader. Attends. Ah c'est ça, c'est Stygia, j'ai pas fait gaffe. C'est stylé. Honnêtement, c'est stylé du cul. Voilà ce que j'ai à dire sur ce jeu. Alors, t'es en OPSP, ton opinion? Je m'en bats les couilles. C'est stylé du cul. Voilà. Honnêtement, et voilà, au passage, merci les devs, petit clin d'œil, voilà. On peut faire une femme comme ça, protagoniste. Venez pas me dire qu'elle est pas forte. Inconnue, elle est stylée. Tout ça parce qu'elle veut récupérer sa voix en mode la petite sirène, mon gars. C'est based as fuck. Il faut le dire. Bon, après, il y a Troy Baker qui la ferme jamais, c'est sûr. Enfin, c'est un crâne, forcément, il y a une caca. Laisse-moi te raconter l'histoire de ma vie et des enfers. C'était en 300 avant Jésus-Christ. Toute la Chine était conquise. Caca. C'est ça qui est bon. C'est pour ça qu'elle est aussi énervée, en fait. Elle peut pas lui dire de fermer sa gueule, en fait, c'est pour ça. Mais c'est qualitatif. En tout cas, tout est bon dans ce jeu. Tout est qualitatif. N'hésitez pas. 30 balles, merci Funcom de m'avoir sponsorisé, oh là là, sur cette OPSP. Fais voir, parce que même quand elle parle à des trucs, fais voir, elle fait juste que le regarder, fais voir. Ouais, ça lui donne un œil. Et si tu fais aller en enfer, elle s'envole et elle fait un geste. Mais si tu fais quitter, elle fait un truc assez stylé aussi,
un petit truc gratuit, c'est ça qui est offert. Je vous remercie de regarder cette OPSP. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires et dans la description de la vidéo pour télécharger le jeu et bénéficier de 20% de réduction sur les vêtements. Achetez des vêtements. Oh. Voilà. Merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou, métal.